Welcome to Liverpool, au nord-ouest de l'Angleterre, berceau des Beatles et capitale européenne de la culture en 2008. Située au bord du fleuve la Mersey, Liverpool est une ville portuaire et vous l'aurez compris, ce n'est pas par son exotisme que cette ville fait rêver, mais bien pour ses deux clubs de foot, Liverpool et Everton, pour qui les supporters vouent une passion sans limite. L'attaquant des Toffees a accepté de nous parler de sa vie en Angleterre le temps d'un trajet. Direction le centre d'entraînement. Petite discussion sans concession. J'adore la langue. C'est aussi une culture qui m'intéressait. Donc j'ai tout fait pour venir à un moment donné où. J'ai senti un peu que le football français me correspondait pas trop au départ. Je suis tombé amoureux de mon premier club qui était Newcastle et après ma première expérience, j'ai pas voulu revenir en France. Ça a tout de suite été un déclic parce que par rapport à l'engagement, il y a aussi cette simplicité dans l'approche des matchs. Il y a cet engagement qui est vraiment sain, donc moi qui me correspondait complètement, donc j'y suis allé à fond et après c'est vrai que c'est dur de faire marche en arrière quoi. Le footballeur il est respecté dans le sens où quand il rentre chez lui et qu'il a sa vie de famille, elle est vraiment mise sous une certaine protection, donc les supporters arrivent à comprendre ça et c'est vrai que ça c'est vraiment très très important, en tout cas ça a été important tout au long de ma carrière en Angleterre, quoi, parce que c'est vrai que je tiens vachement à mon cercle familial et c'est vrai que le fait que mon petit parte à l'école avec son costard et ses habitudes, ses disciplines, tout ça m'a vraiment incité à rester parce que justement ça a apporté tellement de choses bénéfiques à la mentalité de mon petit gamin, donc c'était très 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 important pour moi. Bon, je pense que je l'ai fait passer souvent un peu avant moi, quoi. Les enfants, c'est je vais pas dire qu'on est esclave d'eux. Hein, la principale activité, c'est justement de s'occuper d'eux. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper d'eux l'après-midi, donc. On fait les choses de parents quoi. Souvent les devoirs c'est papa et maman qui doivent se coller tout ça et c'est pas souvent facile. Donc tout simplement c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un parfait anglais. En tout cas c'est pas mon cas. Il a la chance d'avoir cette deuxième langue qui est je pense que c'est la langue numéro un au niveau international. Donc c'est super avantageux pour lui quoi. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui évoluent en Angleterre. J'imagine que vous êtes proches, enfin vous êtes pas tous, mais pas mal en contact. Mmh. Et qui est-ce que tu vois toi le plus fréquemment ici? Ça fait un petit moment. Là, je le chambre, c'est Patrice. Il est un peu débordé hein, de matchs. On s'est croisé quelques fois là récemment, mais c'est vrai que c'est Patrice. C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, donc on n'est pas très loin, mais c'est vrai qu'on ne se croise pas trop souvent en ce moment. Mais sinon, c'est vrai que je suis assez casanier, que j'ai mon petit cercle. Et à Everton, avec qui tu t'entends mieux, avec qui ça tu déconnes le plus? On peut déconner vraiment avec tout le monde, il y a vraiment un super groupe. Je suis le seul français, donc il y a un Belge. Qui est assez connu là maintenant avec
avec qui on s'entend super bien. Mais c'est vrai que il y a un groupe vraiment super. Je peux même pas vous citer un nom qui sortirait du lot. La nourriture anglaise. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? T'as eu du mal un peu à t'adapter à ça? Est-ce que toi... Ah mais moi ça c'est vrai que c'était quelque chose de très difficile, surtout que bon, j'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine très très bien. Donc c'est vrai que dès que j'allais à l'entraînement, dès que j'allais dans tout ce qui est au niveau hôtel et tout, j'avais vraiment du mal, vraiment vraiment du mal, parce que bon, il cuisine un peu sans sel et tout ça, et bon, c'était pas, mais ça a vachement vachement évolué. Ça fait partie du charme de l'Angleterre, ça fait partie aussi de bon, si c'est un mauvais côté, moi ça c'est un avantage, dans le sens où j'apprécie encore plus le fait de partir dans le sud de la France ou partir en Guadeloupe voir ma famille cet été, parce que bon, le soleil c'est quelque chose que c'est une chose extraordinaire que Dieu nous a donné, donc faut en profiter au maximum. Mais c'est vrai que c'est on peut pas s'en lasser d'une certaine manière, mais c'est vrai que ça aide vraiment à l'apprécier. Et c'est vrai que le fait que toute l'année justement on peut voir ce temps gris en Angleterre, moi ça me donne vraiment cette joie immense de pouvoir retrouver le soleil et les cocotiers. T'es devenu un peu anglais en fait. Ouais, presque. Hein. I like to speak English.